Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien sur Fort FM et on se retrouve aujourd'hui au 66 avenue Saint-Rémy. Ça s'appelle Green Domus, c'est un showroom qui accompagne les clients dans la rénovation énergétique ainsi que dans l'obtention du budget lié à leur projet. On se retrouve tout de suite à l'intérieur. Je suis reçu par Monsieur Mondjapan dans le magasin. Alors, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu Green Domus plus en détail ? Oui, bien sûr. Déjà, enchanté et bienvenue chez nous. Alors, Green Domus, c'est un concept qui est tout naissant. Qu'on crée aujourd'hui sur la commune de Forbach, qui est dédiée à toutes les énergies renouvelables pour l'habitation du particulier. Par énergie renouvelable, on entend aussi bien la pompe à chaleur qu'une chaudière à granulés ou un poêle à granulés. Donc en fait, on va proposer une solution à 360 qui va aller démarrer sur une étude d'une maison d'un particulier en passant par les aides auxquelles il a droit, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a droit à des aides de l'État ou des pollueurs. Jusqu'à l'installation finale de notre client par nos propres installateurs. On est aujourd'hui RGE, on est qualifié RGE, Calibois, Calipa, Calisol. Ça permet à nos clients d'être installés et de pouvoir justement prétendre à toutes ces aides. D'accord, merci. Et donc, si par exemple je suis client, comment se passe le processus d'accompagnement du début à la fin ? Si vous êtes client, c'est très simple. Vous franchissez la porte de Green Domus, vous rencontrez un de nos coachs énergétiques, ça peut être Rosa, ça peut être Maxime. Ça peut être d'autres collaborateurs qui travaillent avec nous qui vont vous aiguiller dans votre démarche. Alors, ce coach énergétique, il a un but, c'est de vous aiguiller au mieux sur vos besoins. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas forcément vers quoi se pencher. Est-ce qu'on va plutôt prendre une pompe à chaleur, un ballon thermodynamique comme celui qu'on voit derrière vous ? Donc, eux sont là pour vous diriger, vous guider et déjà faire un bon choix. Ils vont vous permettre de savoir plus ou moins de quoi vous avez besoin. Ensuite, il y en a des thermiciens qui se déplacent à votre domicile pour connaître un petit peu votre habitation, pour voir si vous êtes sur des murs isolés, pas isolés, pour comprendre un petit peu dans quel type d'habitation vous vivez. Et de là, il va aussi avoir besoin de savoir vos habitudes. Est-ce que vous prenez des bains, des douches, ce genre de choses? Et avec tous ces éléments-là, on vous trouve la bonne formule. On vous trouve la formule qui est adaptée à votre quotidien, à votre famille, à votre mode de vie. Ensuite, se passe la deuxième étape. La deuxième étape, c'est les aides. Alors, on va aller chercher toutes les aides, que ce soit les aides nationales, départementales, régionales ou même de la commune, auxquelles vous seriez éligible. Et une fois qu'on a toutes ces informations-là, on va vous proposer la solution qui est la mieux adaptée à votre style de vie, à votre environnement. Donc, on va vous faire une proposition globale d'une formule ou d'une autre avec une rentabilité sur un nombre d'années données. On est vraiment accompagné au cas par cas, quoi. On est accompagné au cas par cas. On essaie d'apporter notre expertise sur tout le sujet et surtout de vous accompagner au mieux dans une démarche. Aujourd'hui, ce n'est pas systématiquement le changement qu'on met en avant. On veut vraiment créer un accompagnement et un service complémentaire. Pas simplement une vente de pompe à chaleur ou de chaudière, mais faire une vente qui soit intelligente. Alors là, je vous présente un premier produit, c'est un ballon thermodynamique. Alors la fonction d'un ballon thermodynamique, c'est principalement de produire de l'eau chaude en utilisant très peu d'électricité. Ça va être un petit peu comme la pompe à chaleur que vous avez derrière vous. Une pompe à chaleur, c'est pour principe, en utilisant les calories de l'air, de pouvoir produire soit de l'eau chaude sanitaire pour votre consommation bain-douche ou de produire de la chaleur par un plancher chauffant ou des radiateurs classiques. Donc là, on a les deux réelles solutions qui aujourd'hui permettent soit de faire de la rénovation dans une maison ancienne, notamment ici dans l'est de la France, où on a beaucoup de maisons minières qui sont mal isolées ou qui sont un peu vieillissantes. Ça va permettre d'avoir de belles économies, soit sur de la rénovation ou de la maison neuve. Sur de la maison neuve aussi, on pourra utiliser ce genre de produit. Sur cette pompe à chaleur, il y a deux parties. Il y a une partie chauffage et une partie production d'eau chaude. Voilà un petit peu nos produits phares. Énorme merci à Monsieur Mondjapan pour nous avoir accueillis et pour avoir répondu à nos questions. À bientôt sur Fort FM.